Les déconfinettes. On est le jeudi 8, toujours décembre 2022. Et il peut se passer beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Ça se décoince. Les gens bougent. Il y en a qui font des choses à votre place, peut-être. Ou vous faites aussi des choses à la place aussi. Enfin, vous faites parce que vous avez envie de faire. Gardez la pêche et la patate. Il n'y a rien qui reste. Tout bouge sans cesse. On a du mal à apprécier justement le mouvement, mais il n'y a rien qui dure. Et c'est toujours un mouvement perpétuel et parfois ça avance pas assez vite. Donc il y a toujours évidemment des intérêts, des conflits d'intérêts, des personnes qui peuvent pas forcément vous donner la main. Ouais, chacun pour soi. Enfin, on se rapproche de la fin de la semaine. Là. Ça pulse. Il fait fret, mais il ne s'agit pas d'attendre le dégel pour qu'il se passe quelque chose. On va bientôt entrer dans l'hiver, alors que quelque part, c'est déjà l'hiver. Et puis, pour ceux qui sont déjà tombés dedans, l'hiver, bah, ça dépend pas des saisons, en fait. Il y en a qui sont lassés de la tête depuis, justement, mars 2020. Alors, pour justement faire quelque chose, c'est compliqué. Il y en a qui le sont depuis toujours. Hein. Enfin, je trouve ça assez intéressant d'avoir tous ces témoignages et toute cette richesse, tous ces échanges. Quoi. On est bercé des fois un petit peu par les trolls, ça bave un peu, mais bon, c'est un petit peu le thermomètre. Hein. On sait qu'il fait froid, mais on sait qu'ils sont cons aussi. Bêtes, pardon. Enfin, pas... Bon, c'est un choix aussi. C'est un choix. Chacun choisit où il veut placer son énergie. C'est ton destin. Prends. Toi, moi. Allez, garde la pépèche, la patatatat, ami public, je te tutoie. Et puis à demain pour nouvelles aventures.